Mais oui, j'ai mon oreillette, oui. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah bah oui, bah je suis prêt. La petite Sophie arrive. Ah bon, merveilleux, la technique, merveilleux. Quand je pense qu'avant, j'avais d'immenses haut-parleurs qui me remplissaient toute la vie. Ah, Sophie, enfin vous voici. Père Four. Eh oui, c'est moi. Vous êtes toujours aussi haut. Oui, dites-moi, enlevez vos lunettes. Deux petites secondes, enlevez vos lunettes, voilà. Et quel âge vous me donnez comme ça? 45 ans. Oh, bah, dis-donc, elles sont fortes, hein, vos lunettes. Hein. Bon, allez, on y va. Écoutez bien. Elles communiquent les vibrations qui font chanter le violon. On la cherche par amour, mais on doit la rendre un jour. Qui est-elle? Je répète, elles communiquent les vibrations qui font chanter le violon. La clé On la cherche par amour, mais on doit la rendre un jour. Qui est-elle? La passion, le... Je vais me mettre comme ça, peut-être, oui. Un diapason. Je vais me mettre au diapason aussi, oui. Vibrer le violon. Allez. Sophie! Eh ben non, ben, c'était l'âme. Et vous allez dire, bien sûr. Ah, l'âme. L'âme est la petite baguette de bois placée sous les cordes. L'âme sœur que l'on cherche par amour. Oui. Et rendre l'âme, c'est mourir. Oui, ben, mourir, c'est partir un peu. Hein. Allez. Descendez. Bon, alors, le candidat est parti. La clé dans le placard, mon livre est là. Je vais pas faire le tour de la VJ. Je vais y aller directement. Voilà, ça, c'est de la stratégie. Je me demande si Jean-Pierre aurait fait la même chose dans une situation semblable.